C'est vous qui avez fabriqué votre métier à tisser? Oui, j'ai fait ça à moi-même. Des fois, j'appelle le menuisier, il vient, il m'aide des fois. Si je n'ai pas vu le menuisier, moi-même, je peux faire ça. Il faut clouer certaines parties, il faut clouer pour que ça soit solide, quoi. Et alors, votre poulie, c'est une chaîne à vélo? Oui, c'est une chaîne à vélo. Ah, ça, c'est une navette, je crois. La navette, ici, bon, c'est le battant. Le battant. Le battant. On a écorché les bambous. Les bambous, les petits bambous comme ça, là. On a pris ça comme des brins de balai. Et on a mis ça un à un, jusqu'à ce qu'on a fabriqué le battant. Ça, on l'appelle lisse. Et vous tissez toujours avec deux lisses? Oui, deux lisses. L'un en haut, l'autre en bas. Ils travaillent en sens antagoniste. Cet outil, on l'appelle la cire. C'est le déchet du miel. Et ça vous sert à quoi? Bon, ça nous sert à cirer les fils pour que le battant puisse aller librement. Ça facilite le passage librement du battant, c'est ça. Ici, nous avons la bobine simple. Bon, ici, on a des fils sur ça. Si c'est terminé, c'est fini, on remplace. C'est ça. C'est la bobine. On peut dire, bon, ce sont nos fils. C'est l'un de nos fils, ça. C'est ça. On travaille avec ça. C'est vous qui faites les couleurs? Non. C'est au marché. Au marché? Oui. C'est fait au marché. C'est fait au marché. C'est la grande bobine. Ici, la grande bobine, ça. Bon, c'est la couleur jaune, ici. La tige là, le fil, le fer là, on l'appelle poitrinière. Poitrinière. Ça sert à enrouler les bandes qui sont déjà tissées. Et alors les pieds, vous avez des pédales? Oui, les pédales. Gauche et droite. Le pédale gauche et le pédale droite. Elles sont usées vos pédales, hein? Vous les avez beaucoup utilisées. Hein? Oui. Hehehehe.